Bonjour et bienvenue à votre séance MOVE particulière adaptée pour le Parkinson. Je me présente Céline Lajeunesse, kinésiologue à Sarcovie, et j'ai le plaisir d'être accompagnée toujours de Annie Roy, Bonjour. Qui est kinésiologue avec moi à Sarcovie depuis de nombreuses années. Ça nous fait toujours un plaisir d'être avec vous. Maintenant, vous commencez à être familier avec nos visages. Alors, on va commencer notre échauffement. Notre séance est particulière aujourd'hui parce qu'on va beaucoup travailler la musculation. Donc, l'ouverture des épaules, le renforcement des membres inférieurs et des membres supérieurs qui vont vous aider dans vos activités quotidiennes. Alors, sans plus tarder, on va débuter notre échauffement. On va avoir les pieds à la largeur des hanches, comme à l'habitude, hein? Annie va toujours faire la version assise, la version adaptée, et moi, je vais faire la version plus difficile. Alors, on a les bras de chaque côté. On va aller faire 4 rotations d'épaule à l'arrière. Roule 4, 3, 2 et 1. On va bonifier le tout avec une rotation de tronc. On va mettre les mains sur les hanches. Pensez toujours hein, que vos genoux sont souples. On allonge la colonne, on contracte nos abdominaux. Les coudes sont vers l'extérieur, on va tourner d'un côté, on amène le coude à l'arrière, on regarde à l'arrière, on revient et on tourne, on pousse le coude loin à l'arrière. Ce n'est pas tellement les hanches qu'on veut qui tournent, mais le haut du corps, le tronc, amène le coude à l'arrière et l'autre. Ça va bien, on va bonifier, on va tourner d'un côté, allonger un bras loin à l'arrière et on ramène la main sur la hanche, tourne, allonge le bras loin à l'arrière, pas plus haut que l'épaule, on revient. Et on tourne, amène le bras loin à l'arrière. Et on va le faire une dernière fois. Tourne le tronc, amène le bras loin à l'arrière et on revient. Maintenant, on va aller travailler le bas du corps, les muscles. On va faire touche-mollet. Qu'est-ce qu'un touche-mollet? Touche le mollet et touche le mollet. Et là, vous allez remarquer, je le fais lentement. C'est pour m'assurer qu'en même temps, on travaille un peu l'équilibre. Hein? Ça va toujours plus mieux lorsqu'on va vite. Mais moi, j'ai envie de prendre notre temps et en même temps, travailler la stabilité de la cheville. J'en vais encore 4, 3, 2 et 1. Merveilleux. On va ouvrir les jambes à la largeur des hanches ou de vos épaules. On va aller échauffer l'arrière des cuisses par des talons-fesses. Lève un talon. Talon, 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 puis on va ajouter des bras. Tire, tire, tire. On pousse les épaules et les coudes à l'arrière. On vient ouvrir la cage thoracique. J'en veux encore. 4, 3, 2 et 1. Prochain mouvement, on va aller faire une pointée de côté. On revient. Pointe de côté. On va faire ça 2 autres fois. Et si vous avez envie d'ajouter un mouvement, on va faire un bras opposé. Alors, on continue. 8, 7, 6. Hein, on vient chauffer le côté des cuisses. 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. On va aller faire la révérence. On va commencer avec nos talons. Talon devant. Talon devant. Alors, plus j'amène mon talon loin, plus je dois fléchir mon genou et pousser mes fesses à l'arrière. Et notre révérence, bien, on va la faire vers l'avant avec des bras. Annie fait la version assise et moi la version debout. Si je me place sur le côté, hein, mes bras ne sont pas plus hauts que mes épaules. Mon talon est loin devant et ma jambe de support est fléchie. J'en vais encore 4. 4. On respire. 3. 2 et 1. Merveilleux. Notre prochain mouvement, on va aller échauffer les mollets et les chevilles. Toujours, moi je me place sur le côté parce que j'aimerais que vous voyez mes pieds. Pieds à la largeur des hanches, on pourrait le faire contre un mur si on a besoin d'un appui. Je vais décoller le talon, enfoncer mes orteils au sol et alterner. On veut vraiment bien dérouler le pied. On enfonce nos orteils, excusez-moi, au sol. Vous allez sentir que ça tire sur le pied. Si ça va toujours bien, on peut osciller des bras, hein, comme si on faisait une marche. Monte, monte. Décolle le talon, écrase les orteils au sol. J'en veux encore 4. 3. On respire. 2.
et 1. C'est ce qui complète notre échauffement. On va maintenant entrer dans la partie musculaire. On va aller faire des squats, on va aller renforcer le devant des cuisses. Alors, on va avoir les pieds à la largeur des hanches. Annie va faire la version assise. Elle va juste reculer un petit peu les talons vers l'arrière pour être plus confortable lorsqu'elle va se relever. Alors, moi, je vais commencer assis comme Annie. Alors, je pousse mes hanches loin à l'arrière. Mes genoux sont bien alignés avec mes orteils. Les bras de chaque côté, je contracte mon nombril. Et je vais venir me relever les bras devant. Un. Annie va garder une main sur la chaise pour se relever. Et on descend. Et on remonte. Deux. Pousse dans les talons. Respirez. Et on descend. Trois. Quatre. 5. Pensez à serrer les fesses. 6. Quand vous vous relevez. Je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 40. 7. 8. 9. Le dernier. Et 10. Annie va rester debout. On va vous montrer une variante. On va en faire 5 d'un côté et 5 de l'autre. Alors, pour s'assurer qu'on a le bon mouvement, on va avoir les pieds à la largeur des hanches. Je vais prendre ma jambe gauche, votre jambe gauche à vous, et je vais venir reculer mes orteils au niveau de mon talon, comme ça ici. Et je vais ouvrir ma jambe sur le côté. Ça vous va? Ma jambe d'appui, c'est celle-ci, c'est ma... pour vous, c'est l'autre jambe, ça va? Alors, ce qu'on va venir faire, c'est... on va faire le même mouvement. On va pousser les hanches loin à l'arrière. Mais je vais mettre tout le poids du corps sur cette jambe-ci. Je ne dépose pas le poids du corps sur celle-ci et je me relève. Ça vous va? Alors, on part ça. On plie, on pousse les hanches loin à l'arrière et on remonte un. Et on descend. Le poids du corps est sur cette jambe-ci et on remonte deux. On en a 5 à faire. 3. Déposez le poids du corps sur la jambe de support. 4. Vous allez voir, ça travaille beaucoup. Et le dernier. 5. Génial. On va changer de côté. Pied à la largeur des hanches. Je vais venir reculer mes orteils au niveau de mon talon. Et je vais ouvrir sur le côté. Ça vous va? Ma jambe d'appui, hein, c'est celle-ci. Je peux décoller le talon pour être bien certaine de ne pas mettre le poids sur cette jambe-ci. Je rentre le nombril, je grandis. Et je descends. Et je remonte un. Et je descends. Mettez le poids sur la jambe de support. Deux. Descends. Expire. Trois. Descends. Expire. Quatre. Descends. Expire. Cinq. Et c'est ce qui complète notre série. Merveilleux. On va continuer avec nos jambes. C'est pas terminé. Alors, Annie va s'asseoir pour le prochain mouvement. On va tout de suite montrer la partie à Annie parce qu'elle est un peu plus complexe. Annie, ce qu'elle va faire, on va aller faire une abduction. Elle va apporter son talon vers l'extérieur, comme ceci, mais pas trop loin. Ce qu'on veut ressentir, c'est le côté des cuisses et des hanches. Moi, je vous conseille à la maison, pour faire cet exercice-ci, de prendre un appui sur une chaise ou contre un mur, un comptoir. Je vais commencer mon exercice avec un appui, puis par la suite, moi, je vais le faire sans appui pour que vous puissiez bien observer. Alors, moi, je vais déposer ma main, mes pieds à la largeur de mes hanches. Petite flexion des genoux, on veut les genoux souples. Je peux mettre ma main sur ma hanche. Je plie ma jambe de support, je grandis et on lève un et on revient. Et on lève deux et on revient. Expire trois. On va aller jusqu'à 10 comme ça. 5. Alors, pour que vous me voyez bien, expire. 6. Alors, imaginez que j'ai une chaise à côté de moi. 7. On sourit, ça travaille fort. 8. Et vous le savez, hein, je fais exprès pour aller lentement. 9. C'est efficace. Et le 10e, on va rester, Annie. 5, 4, 3, 2, 1. Et on marche sur place. Et là, moi, je l'ai bien senti dans ma hanche. Alors, toujours avec un appui à la maison, les pieds à la largeur des hanches. On peut garder une petite souplesse dans les genoux si on est debout. On prend un appui et on lève un.
L'araignée envoie son talon vers le côté. 2 et vers l'arrière. On revient, on respire. 3. Expire 4. Grandissez. Rentrez le nombril 5. 6. Hein, c'est la cuisse quand on est debout de sport qui travaille plus fort. 7. On va jusqu'à 10. 8. Ça commence à chauffer. 9. Et le dernier, on va rester hein, à la demande d'Annie. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On marche. Super. On va aller chercher maintenant l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Annie, elle a une serviette qu'elle va venir placer entre ses genoux. Elle l'a roulée et elle va les placer entre ses genoux. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre encore une fois un appui sur le mur, ce que je vous suggère fortement à la maison, pied à la largeur des hanches. On va lever un pied, on va plier le genou, puis on va l'amener comme ça ici vers l'intérieur. Ça vous va? Annie, ce qu'elle va faire, moi, je vais lever ma jambe. Annie va serrer 5, 4, 3, 2, 1, puis après, elle va faire des petites répétitions. Tu es prête? On amène la jambe. 5, 4, 3, 2, 1, petit. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On reprend ça. Je vais me mettre de côté comme ça ici. Attendez, je vais prendre mon équilibre parce que c'est pas facile. Hein? Jambes de sport fléchies. On va tenir pour 5, 4, 3, 2, 1. 5 petites répétitions. 1, 2, 3, 4. Respirez. 5 et on relâche. On reprend ça. Amène vers l'intérieur. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. 5 petites répétitions. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Encore deux fois. Hein? Amène vers l'intérieur. Tenez pour 5, 4, 3, 2, 1. Petite répétition. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Dernière fois, là. Amène vers l'intérieur. Tenez 5, 4, 3, 2, 1. Petite répétition. 5, 4, 3, 2, 1, et on marche sur place, on piétine. Avez-vous remarqué comment la jambe de sport, hein, la jambe qui était debout, travaillait fort? On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, les pieds à la largeur des hanches, les genoux pliés. C'est vrai, Annie, elle ne peut pas changer de côté, mais elle va retravailler ses adducteurs. Alors, on amène, Annie serre ses genoux, elle tient pour 5, 4, 3, 2, 1, 5 petites répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Et on reprend ça. On maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Petite contraction. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Il en reste 3. Vers l'intérieur. On maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Petite contraction. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Pensez à respirer. On continue. 5, 4, 3, 2, 1, contraction. 5, 4, 3, 2, 1, on revient. Si je ne m'abuse, il nous reste encore deux fois. Amène à l'intérieur. Maintiens la posture. 5, 4, 3, 2, 1, légère contraction. 5, 4, 3, 2, 1, on revient. Et dernière fois, promis, amène vers l'intérieur. Hein, ça travaille ici pour nous. On tient 4, 3, 2, 1, 5 petites contractions. 5, 4, 3, 2, 1, et on piétine. Ouh, que ça a travaillé les jambes! Je ne sais pas si vous avez vu, mes chevilles tremblaient un petit peu. C'est signe que c'est efficace. Alors là, maintenant, on va aller faire le Superman. Le Superman, c'est un exercice qu'on veut travailler la posture et le dos. Annie, pour ce faire, elle va laisser sa serviette de côté. Elle va se placer sur le côté comme ça ici. Moi, je pourrais aussi me placer sur le côté pour faire la version debout. On va envoyer, toi, cette jambe-là en arrière, alors je vais faire pareil comme toi. Moi, je vais avoir les genoux légèrement fléchis, les pieds à la largeur des hanches, ma colonne est droite. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais amener le bras et la jambe opposés et je vais tenir 4, 3, 2,
1 et je relâche. Ça pourrait être la même chose à la maison, hein? Je pourrais prendre un appui sur un mur, mais toujours avec le bras opposé. On recommence, on va faire ça en 4 autres fois. C'est parti. On tient. 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. Encore. Expire, allonge le bras, contracte les abdominaux, la colonne est droite. 3, 2, 1, je reviens. Encore. Expire, allonge. 5, 4, 3, 2, 1, reviens. C'est pas facile. On pourrait garder les orteils au sol, c'est difficile, sinon on pourrait faire 5, 4, 3, 2, 1. Et j'aimerais qu'on en fasse un dernier. Allonge. Les orteils au sol ou soulevés. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Piétinons et changeons de jambes. Alors, les pieds à la largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis, la colonne allongée, le nombril rentré. Allonge un bras et jambes opposées. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Si vous voulez travailler plus fort, vous pouvez ne pas déposer votre pied au sol. Et on continue. Pour 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. Encore. Allonge, hein, comme si on voulait s'envoler. 5, 4, 3, 2, 1, reviens. Encore. Allonge, rentre le nombril, on s'envole pour 5, 4, 3, 2, 1. Et si je ne m'abuse, il en resterait un. Allons-y. Allonge. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est ce qui complète celui-ci. On va enchaîner. On a presque terminé. Ça va? On va aller faire le rameur. Le rameur. Un pied à l'avant, un pied à l'arrière, sur des parallèles. Ça va? On ne veut pas les pieds sur la même ligne. Mon pied à l'arrière, tourné légèrement à 45 degrés. Et voilà. On va aller faire le rameur. On va aller en avant chercher nos rames. Et on pousse les coudes d'ouverture vers l'arrière en pliant le genou. Et on revient. Tire, on travaille le dos. 2. Et on revient. Tire. 3. On revient. Expire. 4. Sentez le rapprochement de vos omoplates. 5. Et on va en faire un dernier. Expire. 6. On va changer de jambe. Un pied à l'avant. Un pied à l'arrière. À l'arrière, tourné à 45 degrés. Allonge les bras devant. On va chercher les rames. On les prend. Tire. Imaginez que vous avez une résistance. Les rames sont lourdes. Expire. 2. On revient. Rentrez le nombril, là. Expire. 3. Reviens. Tire 4, baissez vos épaules. Tire 5. Et la dernière, expire 6. Et on est venu travailler les muscles du dos. Merveilleux. Il nous reste les bras. Ça ne sera pas facile, mais ça va être agréable. En tout cas, je l'espère. Toujours les pieds à la largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis, la colonne bien droite, bien allongée. Ce qu'on va faire, on va avoir les bras de chaque côté. Et là, on va penser à amener vos bras loin, loin, loin. On va aller toucher les murs de chaque côté. On veut baisser les épaules. Et on va faire 5 rotations avant. C'est parti. 5, 4, 3, on respire. 2, 1, vers l'arrière. 5, 4, pensez à amener les bras loin. 3, 2 et 1. Restez comme ça. Tournez les paumes de main vers l'avant. Imaginons qu'on veut, on est dans la piscine et on veut ramener les bras ensemble dans l'eau. Il y a une résistance hein, qui se fait. Alors voici ce qu'on fait, on part grand, on résiste, on pousse. 1 et on ouvre. 2, grandissez la colonne. Alors imaginez que vous voulez rapprocher, écraser un ballon. 3, pousse. 4, 5. 6. Oh, j'ai envie d'aller jusqu'à 10. On va le faire rien qu'une fois, celui-là. 7. Ça commence à travailler, là. 8. Et ça donne des chaleurs aussi. 9. Et le dernier. Résistez. 10.
Là, maintenant, nos paumes de main étaient vers l'avant. On va faire le contraire. Paumes de main vers l'arrière, mes pouces vers le sol, mes épaules basses. On va toujours dans la piscine. On veut pousser l'eau vers l'arrière. Vous êtes prêts? Pouce 1. Et on revient en ligne droite. Pouce en bas 2. Souriez, ça travaille fort. 3. J'ai les bras qui tremblent. 4. 5. J'avais-tu dit 6 ou 10? 6. J'avais dit 10. 7. C'est payant. Les derniers, c'est toujours payant. 8. Ça travaille-tu, Annie? Oui. OK. 9. Et notre dernier, 10. Et on relâche, roule les épaules. Oh, que ça a bien travaillé nos épaules. Il nous reste un exercice de dextérité. Je vais m'approcher pour que vous voyez mes mains. Alors, voici ce qu'on va faire. J'ai le pouce comme ça ici. Je vais fermer mon haut de doigt. Si je me place de côté comme ça, vous le voyez. Et je vais refermer le poing. Je vais ouvrir et ouvrir, fermer et fermer. Ça vous va? Alors, je vais reculer et on va faire ça ensemble. On va faire ça 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Pensez toujours, quand vous êtes debout, les genoux légèrement souples, une belle posture, une contraction des abdominaux. Alors, vous êtes prêts? On va fermer les doigts, le poing. Ouvre, ouvre. Doigt, poing. Voyez-vous mon pouce, il est toujours ouvert. Doigt, poing. Ouvre, ouvre. Doigt, poing. Ouvre, ouvre un dernier, doigt, poing, ouvre et ouvre. On peut jouer avec les doigts un petit peu, là. Oh, que ça a travaillé, hein? On va faire le contraire. Mon pouce est ouvert, ferme les doigts, le poing, ouvre, ouvre, ferme, ferme, ouvre, ouvre, ferme, ferme, ouvre, ouvre, ferme, ferme, ouvre. Ouvre et le dernier, ferme, ferme, ouvre et ouvre. Et on bouge les doigts. C'est ce qui complète le volet musculaire. On est maintenant rendu à la partie souplesse. Alors, Annie va faire la version assise. On va aller chercher nos ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse. Je vais me positionner sur le côté afin que vous me voyez bien. Mes pieds sont à la largeur de mes hanches. Talons au sol. Plie la jambe de support, sors les fesses et on descend loin à l'avant. Et là, on devrait se sentir à l'arrière de la cuisse. On va tenir quelques instants. On pense à ouvrir la cage thoracique. On a souvent tendance à se laisser tomber. On respire bien. Et on va maintenant relever un petit peu plus. On va plier les genoux et on va relever un peu plus les orteils pour que ça tire un petit peu le mollet. Pour nous, ce qu'on pourrait faire, c'est un pied à l'avant, un pied à l'arrière. Pousse le talon en fléchissant le genou à l'avant. Annie, ce qu'elle fait, elle relève ses orteils grandement en gardant le genou plié un petit peu. Et on relâche. On va changer de jambe. J'aime toujours me positionner face à vous. Talon au sol, orteil relevé. Pousse la hanche à l'arrière, le tronc est droit. On ouvre les épaules, on respire bien. J'ai remarqué beaucoup, souvent quand on fait ce mouvement-là, on a tendance à projeter le menton vers l'avant. Pensez à garder un bel alignement avec la colonne. Et on va aller faire nos mollets. Alors moi, je vais prendre cette jambe-là. Annie relève beaucoup ses orteils. Moi, je vais plier le genou à l'avant, enfoncer mon talon arrière au sol. Et c'est important que les orteils soient dirigés vers l'avant. Pas besoin d'être en ligne droite, c'est trop douloureux, mais on veut pas qu'elles soient, les orteils soient tournés sur le côté extérieur. Et on relâche. On va marcher sur place, on va reposer le tout. Et on va aller faire les quadriceps. Annie va se tourner sur le côté de la chaise. Elle va glisser son pied à l'arrière. Moi, je vais faire un peu la même position qu'Annie. À la différence, c'est mon talon est soulevé, mon genou est fléchi. Et je vais venir faire une bascule arrière de bassin. Mon coccyx, je veux le descendre. Alors, bascule arrière, rentre le nombril. C'est comme si j'avais une poche de jean. Je veux qu'elle descende dans le pli de fesse. Et je tiens, et je veux que ça tire l'avant de la hanche et de la cuisse. Et on tient encore quelques instants, on respire bien. Pensez à ouvrir les épaules. Et on va relâcher. On va changer de côté. Alors,
Alors, mon talon arrière est soulevé. Mes orteils sont au sol. Même chose pour Annie. On va venir faire une bascule arrière de bassin, c'est-à-dire qu'on rentre les fesses. On rentre le nombril, on grandit. Et on sent l'étirement à l'avant de la hanche et de la cuisse. Et on respire. Et on relâche. Ouh, ça fait du bien, ça. On va aller maintenant étirer les épaules. Alors, on va aller faire ce que moi j'appelle le papillon. On va amener les mains sur les épaules. On va lever les coudes. Et on va pousser les coudes loin à l'arrière. Baisser les épaules, rentrer le nombril. On allonge la colonne et on respire. On tient. Ça devrait étirer le devant ici. Et on ramène, roule les épaules, roule, roule, roule. Et on va aller faire la nuque, le cou. On est souvent tendu des épaules. Alors, ce qu'on va faire, on va apporter les mains derrière la tête. On va amener les coudes vers l'avant. On va baisser nos épaules, reculer le menton, abaisser le menton. Avec les mains, c'est une légère pression vers l'avant, mais vous, votre travail, c'est de reculer toujours le menton et de tenir la colonne droite. Et vous allez le sentir hein, au niveau de la nuque ici et peut-être pour certains jusque dans le bas du bain, dans le milieu du dos. On va enlever les mains, relever la tête, rouler les épaules. Et c'est ce qui complète notre séance d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment dire un gros, gros merci à Annie qui m'accompagne depuis 4 vidéos et qui fait ça vraiment très, très bien. Alors, chapeau Annie, merci beaucoup d'être avec moi. Et surtout, ben, c'est vous que j'aimerais beaucoup remercier parce que vous êtes là à chaque semaine. Ben, à chaque semaine, excusez, à chaque vidéo. Alors, je vous dis un gros merci d'être avec nous et aux prochaines vidéos. Bonne journée à tous. Au revoir.